Hey, bonjour tout le monde! On est lundi le 14 décembre. Donc, je reviens cette semaine encore avec du Skies of Arcadia. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va avancer dans l'histoire encore. Puis, comme j'ai dit la semaine passée, j'ai joué hors stream. J'ai fait des petites side quests que je me disais qui étaient plus ou moins utiles à faire en stream parce que, comme j'ai dit, je voulais. J'aime bien ça jouer à ce jeu-là, mais j'aimerais ça bientôt changer de jeu. Que je vais essayer de finir le plus tôt possible. Fait que, en gros, je vais vous montrer quand même vite vite ce que j'ai fait pour vous dire. C'est pas tant que ça, mais. Pour l'avoir fait, ça m'a quasiment pris un 30-45 minutes juste de ces side quests-là, puis revenir où ce que je voulais revenir. Fait que là, j'ai savé juste avant que l'histoire continue un petit peu. Fait que c'est pas mal là qu'on va continuer. Mais je vais vous montrer quand même qu'est-ce que j'ai fait vite vite. On va mettre du son, parfait. Ceci. On peut aller. Simulateur ici. Non, 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 on repart pas. Ah, oh, zut. Je peux-tu skipper ça? Non. Ok, parfait, ça c'est bon. Non, je vais pas revoir ça. Parfait. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait fini ce qu'il y avait à faire dans le coin de Yafutuma. Fait que on était sensiblement pas mal dans ce coin-ci. Fait que là, ce que ça avait dit que l'Empire, eux autres, il était venu par ce bord-là. Fait qu'en gros, qu'est-ce qu'on a fait là? Là, c'est sûr qu'il y a un petit peu de map ici, puis il y a un petit peu de map ici. Ça, c'est le résultat des side quests que j'ai faites. Donc, dans le fond, en gros, je suis allé voir ce dude-là en haut ici. Non, pas ce dude-là. Je suis allé voir ce dude-là ici, que c'est un dude que j'ai recruté. T'sais, comme je dis, je recrute beaucoup de membres d'équipage. Fait que j'ai été recruter ce dude-là là. Après ça, je suis revenu. Bon, on a redescendu par ici. Puis après ça, j'ai fait ça sur le bord de la map. Puis, bien évidemment, vu que le monde est. Le monde est rond. Fait qu'on est revenu ici. Fait qu'ici, il y avait un petit mur qu'on pouvait passer, qu'ils ont comme transpercé. C'est un genre de gros mur de roche. Fait que ça nous a permis de revenir ici parce qu'on avait déjà été à Orteca. Fait que là, j'ai recruté. Orteca un petit peu plus gosse, excusez. Ici, j'ai recruté une personne dans une taverne. Après ça, ben évidemment, je suis repassé par ici. Puis après ça, on a pu passer à travers les rifts. Puis revenir ici. Donc, je suis tout allé redonner mes poissons, mes moonfish. Au petit bateau dans ce coin-ci. Puis après ça, j'ai été à Maramba. J'ai été chercher la diseuse de Bonaventure à Maramba. J'ai été à Esperanza. J'ai été chercher la Esperanza ici. Donc, non, ça c'est le Dark Rift Esperanza ici. J'ai été chercher le dude qui disait qu'il pensait pas qu'on arriverait à passer par le Dark Rift. Mais finalement, on y est arrivé. Puis ben là, je me suis mis proche de Crescent Island parce qu'il faut retourner à Crescent Island. Fait que c'est pas mal là qu'on s'en retourne. Fait qu'en gros, c'est pas mal ce que j'ai fait. Beaucoup de promenage. Fait que d'avoir évité ça, je pense qu'on va sauver quand même du temps. C'est sûr qu'aujourd'hui, je pourrais faire d'autres promenages, mais pour. Crescent Island, il est où? Ça, c'est Dakar. Crescent Island, mon bateau, il est où en ce moment? Moi, je suis là. Ah, tu vois, j'ai même passé tout droit ici. Sud-ouest. Ah, et voilà. Allez mieux si. Ah, je pesais pas le bon piton. Oh, faut que je pèse sur A. We are back!
Bon ben. The world is round. Le monde est rond. La terre est ronde, on pourrait dire ça aussi. Bah, l'île a changé. Ah, il y a des maisons, puis tout. Ils ont tout bâti ça pendant qu'on était parti. Ça ressemble plus à une base, là. Ça ressemble plus à une base. De barouette, hein? On a même de quoi de souterrain. Il me semblait qu'il faisait un genre de bruit même. Il capote là, il y a des livres là, il va pouvoir nous faire de quoi avec son avec le bateau. Parce que là, il faut qu'on aille chercher le cristal de glace. Book on polarization, parfait. Bon, les autres ils viennent tous dans notre team, là, sont maintenant rendus. Bon, il y a un poisson ici. Je me semble qu'il est dans le trou, là, quelque part. Ok, on a un save là. Ok, il te cite quelque part là. Où c'est qui? Il semble qu'il est caché dans le trou là. Non. Où c'est qui le poisson? Pourtant, je devrais le. Il y en a d'autres que je trouve tout de suite. Facilement. Lui, il est shiny dans du noir, puis je le trouve pas. Attends une minute, là. Il est ouf. Come on. Petit poisson, mais où es-tu? C'est dans le haut là. Ça, mais il est pas si haut que ça d'habitude. J'essaierai de le pogner tantôt là au pire. Bon, fait que là, normalement, on a un dude qui nous vend des armes de bateau ici. On va aller le voir. Hello, dude! Qu'est-ce que t'as à vendre? Ça a l'air quand même mieux.
Ça, c'est-tu mieux? Juste voir. Ça, c'est mieux. Il a foutu mal. Ok, mes 5 canons. Bon. Moins 150, plus 30. Non, ok. Fait que ça, c'est pas bon. Puis un Ancient Cannon. On va en acheter un. Puis on va mettre ça sur. Ça ici. There you go. Parfait. Goddess figure. Air intake. Puis. Chandelier. Ah oui, là je vais acheter des complete kits. Ça coûte combien ça? 300$? Ok, je shoot bien neuf. Il revend-tu du Apa Wax? Machine Oil? Rudder? Non. Bon, exemple, là j'ai quoi? Un Steel Deck. J'ai-tu de quoi de mieux que ça? Non. Ok, j'ai quand même du bon stock présentement là, sur mon bateau. Timing valve. Moins 15, plus 1. Ah, peut-être que ça c'est meilleur. Non, ça c'est pas meilleur vraiment. Non, c'est vraiment pas bon ce qui vend ici. Ok. Tu peux-tu lui donner du cash, lui, que. Non. Ok, parfait. Je vais juste voir. Ok, ça c'est bon. Faut quand même que je fasse mon magasinage. Là, on va essayer de revoir. Il est où le maudit. Non, mais il est comme là d'habitude. Ah man. Je le vois pas. Bon. Je le pognerai une autre fois. Ça me gosse. Bon. Ça me gosse de pas le pogner, mais bon. Fait que là. Faut que je monte. C'est quoi ce building là déjà? Y a-t-il de quoi là-dedans? C'est juste une petite maison. Rien de vraiment intéressant. Pas donc ben noir ici. Ah, ouais. Oh, il y a un cham ici. Il est ici, là. Non, je pense qu'il est au-dessus. Je suis supposé pouvoir monter quelque part, là. C'est où déjà? Ah, c'est ici. Là, il me semble qu'il y a quelque chose. Ok, ouais, c'est ça. Ici, t'as le monde qui peuvent avoir des petits commerces. Fait que si tu leur parles.
tu réussis à leur parler. Yeah, mets-toi vis-à-vis, là, parle-y. Bon. Fait. Bon, lui, qu'est-ce qu'il vend? Ok, il vend des petites boîtes. Sacré, cristal, ok. Panica Box, ok, il vend des petites boîtes, ok. Mais là, si tu y parles. On va lui donner un petit 2000$. Fait qu'il va upgrader son star éventuellement. Il vend-tu du stock pas pire en ce moment? Wind Slicer. Plus 12, ok. Je veux juste voir, j'ai eu une deck at sword. Que j'ai pas checké si c'était bon ou pas. Sword of Decat. 300. Ah non, c'est pas bon. Fait que là. Bon, on va acheter ça, puis on va mettre ça à Vice. Puis une Captain's Cloak. C'est-tu pas pire, ça? Plus 7. Plus 19. Ouais, c'est pas mauvais. Plus 4, plus 16. Ah, fait que finalement, Captain Cloak, c'est bon pour lui. C'est bon pour elle aussi. Pour Fina, moins 3, plus 30 de hit, moins 5, moins 3. Ouais, c'est quand même bon ça aussi. Moins 30, ouais, ça c'est pas bon ça. Puis je mets ça à Enrique. Plus 2, plus 2, plus 10, plus 15. Bof, non. Enrique va garder ce qu'il y a en ce moment. Bon, parfait, ça c'est réglé. Fait que voici notre île. Fait que là, tu peux parler à diverses personnes si tu veux pour booster un peu l'île en termes qu'est-ce qu'elle est en ce moment. Là. Que là, je sais pas si je peux tout de suite aller faire le stock pour la taverne. Ok, non, je pense pas que je peux le faire tout de suite. Okay. Faut que je parle à Polly. Ça, c'est où ce qu'on dort. Pis t'as la petite tante de la diseuse de Bonaventure qui est là. Bon. Parfait.
Puis là, je veux juste voir. C'est où qu'on monte déjà? Il y a quelque part qu'on peut monter. C'est ici. Ah, c'est ça. Ici, on a une petite plateforme. Puis. Ça nous monte en haut. Puis là, si je me souviens bien, il y a un poisson ici aussi. Il semble que lui est dans falaise quelque part. Là. Ah, il est là. Voilà. Hey, on a même une map sur la table. Petite salle de réunion. Tout le monde est heureux. Toi, ça va dans la glace. Cette image toute bien gelée. Moi, je skip vite, hein, les messages. J'ai pas bien le temps de faire les ça. En gros, on s'en va dans la neige, puis là, on est en train de faire préparer notre bateau pour que on puisse passer. Aïe aïe! Bon, fait que là, on a fait des beaux dodos. Moi, j'aime vraiment pas ce look-là en bois, là, je trouve ça... Il manque quelque chose, là, tu sais. Donc là, je vais juste essayer de trouver mon constructeur. Ah, il doit m'attendre en bas, par exemple. Faut que je sorte de l'île, puis que je rentre. Là, on va aller vite. Il est où le Mew Pew là? J'aurais aimé ça l'avoir parce que... On va aller par là, ces dudes-là, ici.
On va essayer de voir si je pourrais pas le revoir, là. Puis gérer le pognon entre le stream, celle-là. Parce que là, je le vois pas partout. Bon. Bon, je vais juste quitter l'île, puis revenir. Puis je vais juste aller faire arranger mon île, là, parce que je l'avais... Oh, elle est là, ici? Non, c'est pas ici, hein? Non, c'est ça. C'est où que ça sonnait tantôt? Ça, c'est la chose de bateau. Ah, c'est cette cabane-là. Ah, il est clairement ici. Il est clairement quelque part ici. Ah, tout bad, là, je le pognerai une autre fois. Il est ici? D'habitude, je le pogne, mais je comprends pas, là. Il veut pas. Il veut vraiment pas. Je vais juste aller voir ce que l'autre dude y a à vendre ici. Ah ouais, là ça a plus d'allure ton stand, dude. Tu vends-tu du meilleur stock? Ah, j'ai oublié d'aller m'acheter des... Comment ça s'appelle? Des glyphes. Je pensais qu'il en vendait, lui. Ah, lui, il vend des cristallines. Ça, c'est quand même pratique comme item, mais... Ah, c'est quand même cher, hein? J'achèterai pas ça tout de suite. Gilder de locaux, Souriane Blade, je n'ai plus besoin. Sword of the Corn, je n'ai plus besoin. Ça, je n'ai plus besoin. Bon, je vendrai ça plus tard. Ok. Je te reparle, tu veux-tu encore que je te donne du cash? Non? Ok. Ok, elle, on peut y parler. Oui, on va lui demander de bâtir de quoi. Les Living Culture, oui. Parfait, fait que là, elle est là, sur ce bord-là, c'est bon.
Ah, pis t'as le petit dude ici. Ouais, ok. Je veux que tu m'arranges la taverne. Ok, parfait. Puis je veux juste faire ça. Ok, ça. Mais lui, il va redesigner avec la taverne, fait que c'est correct. Ok, good. On s'en va d'ici. Ce qu'on avait à faire ici, c'est réglé. Bon, fait que là, on s'en va vers les Land of Ice. Wow, qu'est-ce qui s'est passé là? Descends là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis plus capable de. Bon! Je suis déjà mis quelque part, moi là. What? Ah! Bon, ok, good! C'était normal bizarre ça. Mon bateau il monte tout seul là. Wow 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 wow, qu'est-ce qui se passe? Attends une minute là. Excusez là, mon bateau il bougeait tout seul. Je suis la fille. Hey, salut Dan. Chronomakers. Prescott ne croit pas quand je dis que je suis là. Comment ça, il te croit pas quand tu dis que t'es là? Chronomakers. Je sais pas. Chronomakers, parce qu'il me truste pas, ça a l'air. MR Prescott. Yes, pas là, il n'apparaît pas dans la liste de Viver. MR Prescott. S'il n'apparaît pas, c'est qu'il n'est pas là. Ben, moi, je te vois dans ma liste, là, mais. Là, je vais juste saver parce que j'ai vraiment un truc weird. MR Prescott. Non, 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 il n'est pas là. Attendez, on va juste... Oh, malgré que... Ouais, non, je vais faire ma manette. Excusez, là, j'ai comme un petit problème technique en ce moment. Ça arrive jamais. Puis, je sais pas, là... Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Mon bateau il bouge tout seul. Bon, là si je fais ça même là. Chronomakers. Si la madame me dit que je suis pas là, ça doit être parce que je ne suis pas là. Ben moi je t'entends Dan, fait que ça veut dire que t'es là. Chronomakers. Pimouyan, as-tu fini Try of Cold Steel 4?
Non, je l'ai pas fini, mais j'ai tout fini mes side quests hier. Il me reste genre 2-3 petits check-ups à faire juste avant de starter le dernier donjon. Puis on finit ça cette semaine-là. Mais ça a l'air long le dernier donjon, le chapitre là. Il a l'air d'avoir beaucoup de sections. Mais il n'y a plus de quests à faire là. J'ai plus de. C'est parce que j'ai fait toutes les. J'essayais de pogner tous les character profiles, toutes les quests, tous les mini-jeux. Une section par personnage jouable. Ouais, ben ça a l'air d'être. T'as l'air d'être genre divisé en 3 teams. Puis d'après moi, tu switches entre les teams, puis c'est des teams de toutes les trails que t'as l'air d'avoir, puis tu mélanges tes personnages d'après moi. Mais là, je spécule, là, mais d'après moi, ça doit être ça. Chronomakers. Chronomakers. Son Zay Pafuck. Over there! Mais tu sais, à date, j'ai joué pas mal. J'ai joué avec Estelle, j'ai joué avec Joshua, j'ai joué avec Lloyd, Ellie, Tio, Randy. Fait que c'est cool. Chronomakers. As-tu pas mal vu toutes les twists dans l'histoire où tu es rendu? Oui, pas mal, mais je te dirais que d'après moi, il va se passer beaucoup de choses où ce que je m'en vais aussi. Mais oui, les grosses twists sont pas mal, là. Pourquoi j'avance plus? Chronomakers, j'ai hâte d'être rendu là. Chronomakers, vivement la sortie de AO. Ouais, là, parce que là, c'est ça, là, tu peux plus t'avancer. Là, tu dis que t'avais fait le profil. Le. Comment ça s'appelle? Le prologue de Cold Steel 2, mais t'as pas continué plus, là. Chronomakers, nom exact. Chronomakers, j'ai arrêté au prologue. Chronomakers, je me dis que si je suis en manque, je vais faire un chapitre ici et là. Ah ben tant qu'à ici, on a un boss à faire. Qui devrait pas être bien loin. On a un boss à faire pas loin. Il est où le petit bateau bleu? Ah, malgré que je l'ai déjà montré ce boss-là. En gros, ce boss-là, on l'a déjà battu 2 fois si je me souviens bien. Fait que je pense que je vais le faire entre mes streams aussi. Hein. Ça ne sert pas tant grand-chose non plus. On va continuer. Je vais vraiment continuer l'histoire. On va aller au donjon puis. Je suis comme en mode genre, je veux finir le jeu. Ok, que d'abord on va s'en aller par là. C'est par là que je veux aller?
Ouais, sud, sud-ouest. Sud-ouest, par là. Je suis rendu où, là? Moi, c'est pas pire avec l'objet que j'ai mis, je pogne pas mal moins de random encounters. Bon, ok, fait que là, ici. Là, on veut vraiment se focusser sur le sud. Chronomakers, tu vas pas trop être under level si tu pognes pas de random encounters? Non, ben je vais l'enlever. Le mec, je suis dans le donjon, je vais l'enlever. Non, ça devrait pas être pas si pire que ça. Ben en fait, on va le tester parce que la première fois que je joue puis que je pogne vraiment moins d'encounters que d'habitude là. Je suis comme jamais dans le truc de glace. On va aller plus vers l'est, me semble c'est plus vers l'est qu'il y a du stock. Ouais, c'est ici. C'est là-bas. Et voilà, le Land of Ice. On est à la bonne place. Il y a du stock ici, hein? Ah, j'ai eu peur que le jeu avait buggé. Ça a comme resté sur le même écran. Fait que là, faut aller trouver le donjon. Ça, c'est un autre bout de tough. Parce qu'il est pas super voyant. T'es quoi pour moi, là? Bon, parfait. Il est quelque part ici, là. Il est quelque part. Là, il serait-tu ce bord-là? Non. T'sais, j'en pogne pareil des random encounters là. Oh,
est tombé endormi. C'est bon ça, c'est bon. Waveless. Ça va péter, voilà. Ça aussi, ça crève. That was easy. Une aurore boréale, c'est-tu le fun? Bon, normalement, il me semble qu'il est dans ce coin-ci, là. Hey! Hey, pile dessus! Tu vois, là, je vais le remettre normal, mes encounters. Construction... Puis si je vois que je me perds dans le donjon tantôt, parce que c'est un petit labyrinthe quand même, je vais le remettre. Captain, bon. C'est bon. Good. Ah, c'est vrai, je joue avec les flèches. Ok, parfait. Un charm. Ah, même pas. Hey, c'est donc bien long avant d'avoir son autre level. Bon, fait que là, ici, il y a des questions pour répondre la bonne, la bonne réponse. What is the purple moonstone? Power, c'est le ice. Power of ice, on le sait, c'est bon. Ouais! C'est l'heure de la glissade. Room. Ça me vient une question, je me souviens jamais c'est quoi. Ok. What number is hidden in the crest? Maybe a 2, maybe a 4. Ça me semble maybe a 4. Ah non, je me suis fourré. Pas la bonne. Bon, ben on recommence. Je me souviens plus s'il faut que je recommence toutes les questions. Je peux pas aller là. What? Ah, ok, faut que je reparle à ça. Ah, ben c'est un 2, ça a l'air. Je suis vraiment pas bon. On va toutes les avoir essayées. Animation inutile.
on recommence. Ah, ok, c'est ça. Il peut y avoir des random encounters ici quand tu te trompes. Tantôt, je n'ai pas pogné. Ah, ok, c'est gros ça. On va attaquer celle-là. Ça est-tu one shot? Ah, presque. Ah, mais j'ai été fessé l'autre, moi. Pas très stratégique, mon affaire. Eternal Foes. Et quand même, 500. Lui va péter. Puis lui ici. Ah, un autre petit coup. Damn. Crystalline Box. On dit jamais non à ça. J'ai fait quoi, 6 pas? Aïe, faut que je me heal après ce combat-là. Ouf! L'âme d'abeur, ça devrait tuer toutes. Yeah! Ou presque. Lui a décidé de survivre. Juste il est avec Fina ici. Non. Non, c'est pas ce jeu. Sacrum. Voilà. Bon, fait que c'est la première réponse ici. Ça a pas sonné? Ben voyons, je les ai toutes essayées. Ah, ok, non, là ça va. Ok, là ça va être correct. Ok, c'est ça, là j'arrive à une autre question. Ok, non, j'ai lu comme faut. Purple. Which ability? Spirit. Non, c'est pas Life and Death, ça je sais. Will and Spirit or. Power and courage. Yes. Thank you.
À date, c'était pas compliqué ce donjon-là. C'est ici que ça se corse. C'est ici que je vais me mêler un petit peu. Attention, on voit rien. Ah oui, c'est vrai, il est tombé. C'est une petite belle ville, une belle ville en glace, quand même. Bon. Fait que là, on a un chemin là. On a un coffre là. Ok, non, il est l'autre bord. Fait que là, on a un chemin à gauche. Bah, on a juste un chemin finalement. Ok, c'est bon. Là, y a-t-il un autre chemin ici? Non, ok, parfait. On va attaquer ce gros total là. On va tout se mettre en rouge là. Ça va être plus efficace. Appelle pas tes amis! Bye bye! Qu'est-ce qu'il fait lui? Quake? Combien ça? Hi, quand même! Je sais pas si ça va le tuer, deux shots de ça. Non, même pas. Il est solide. J'espère toujours que ce soit un Moonberry, mais. Bon, moi je viens de là. Je peux-tu aller là? Non. Ok, fait qu'on continue par là. Ok, comme ça.
que là, j'ai le choix de soit remonter par là. Continuer. On va aller voir là. Ah ben. Non. Ok, là, il a attaqué dans l'ordre, je voulais qu'il attaque. Ça va... Ah, ça l'a pas tué. Les autres, ils font quoi? Crystallum? Ah, 300 kecks. Ça, ça devrait le tuer. Puis Enrique, lui... va en tuer un. Je sais pas si Lambda Burst. J'aurais peut-être pas le temps de voir si Lambda Burst fait la job. Moi, je viens d'où, là? Je viens de là, right? C'est ça qui arrive, genre, quand je fais une random encounter, après ça, je me souviens plus, je viens d'où. Je viens de là, me semble. Où je viens de là? Non, c'est ça, je montais, right? Ouais, c'est ça, je montais, je venais de là, puis là, j'ai dit que je m'en allais par là, c'est ça. Ça, ça crève tout. Fait qu'ils me feront pas d'attaque. J'aime mieux manger un attaque que deux cristals de l'autre chose. Non, puis là, je vais le tuer. Voilà. Ah, ça, c'est un combat efficace. Let us pray that our next battle goes as well. J'ai un feeling que ce coffre-là, il y a de quoi dedans. Je sais pas pourquoi. Ah non. High Splitter. Ok, ça c'est une arme pour Enrique. Y'a plus rien d'autre ici. Hein? Ok, pas l'air. Je vais mettre ma white map. Non, pas la win, la white ici. Je sais pas si c'est aussi efficace dans les donjons que dans sa world map, on va voir. That's pas si pire.
Ah, il y a quand même une différence de power quand t'as pas le Captain's Hat. Ça a dodgé. Voilà. Bon, on va continuer par là, voir, il y a peut-être de quoi. Ah non. Faudrait peut-être se voir. Ok. Que non, il n'y a rien d'autre. J'avais comme l'impression qu'il y avait peut-être autre chose, mais non. Il y a juste la rampe ici. Ok. Bon, fait que là, on va aller à droite. Le truc, Captain. Pas là? Non. Annule ça. Ah non, ma Grex plus efficace de faire ça de même. Comme ça. Ah, presque. Ça crève. Y a-t-il de quoi spécial le boss de ce donjon là? J'essaie de me souvenir puis il semble que non. Il semble que tu verges dessus puis c'est pas comme le boss de la semaine passée qui a décidé de se faire un full heal là, en plein milieu du combat. Ah ben ici c'est pas compliqué, tu vas tout droit puis un coffre. Ça, ça doit être le capitaine là qu'on tue dans chaque donjon, ouais. Il me reste des glyphes. Faut que je m'en garde glyphes, ok, parfait. Bon, tout attaquera là.
Merde, je comprends pas. Ce boss-là, là, tout le temps. Il est tout le temps sur Fina. Je sais pas pourquoi, là. C'est débile. Puis je pense tout dans les encounters que j'ai eu dans le stream, il a toujours attaqué Fina en premier. C'est fou. Et elle va se défendre. Puis toi, tu vas attaquer. One shot. Ah, il en manquait pas gros. Voilà. We did it! Bon, Vice, il y a... Parfait. Quatre minutes. Là, moi, je suis arrivé de là, right? Enrique, tu finis-tu la job avant qu'il attaque? Good! Ok, un autre petit coup. An utter victory. Fait que là, on continue à descendre par ici. Fait. Je pense qu'il faut aller. C'est pas payé, il y a un save là. J'aime bien attaquer ça, ça, t'attaques ça, ça, t'attaques ça, puis ça, tout aussi. Voilà. Good job, Fina. Un autre petit coup. Ah, puis il est tombé endormi en plus. Parle-moi de ça. On va aller saver vu qu'il y a un save ici. Ça veut dire... Je me souviens plus si ça veut dire la fin du donjon. Il me semble qu'il y a une passe-passe.
avec ce donjon là. On va aller à droite ici. Ben oui. Là, je vais mettre mon objet pour les random encounters vu que je trouve. Je vais essayer ça. White. Ici, parfait. Ah, je l'ai pas trop cherché, c'est bon. Oh yes! J'ai eu mon autre level. Mais ça a été long l'avoir. Ça c'est pas un chemin, right? Non, c'est ça, c'est comme un... Ok, fait qu'il y avait juste le charme ici finalement. Il y a pas de chemin, il y a pas de... Ou là peut-être? Non. Ok, j'ai vraiment la misère avec la perspective. Panica. Ça va-tu le confuser? Ah ben oui! Mais ça changera pas grand chose. Let us pray that our next battle goes as well. Je m'en allais où, moi, là, avec tout ça? Ah ouais, je m'en allais là. C'est quoi qu'il y a là-dedans? Frostblade. Ah, ok. Pas tant de coffres que ça, me semble, ici. Bon, une petite facile. Ils vont tous m'attaquer en premier, je gage. Ok, parfait. Fait que là, on va retourner proche du save. On va saver. Puis on va se healer. On
Voilà, puis je pense qu'on a un boss dans pas long. Peut-être pas non plus, je me souviens pas. Ouais, c'est ça, il reste des random encounters un peu avant le boss, ça a l'air. C'est quoi qu'il y a? Ah, ok, c'est juste ça. J'aurais pas dû faire ça. Bon. Ça a été facile. Yeah! Pas cute, toi? Hello! Bon. Ok. Cliff of Might. Cliff of Speed. Cliff of Might sur toi. Puis. Tu vas attaquer. Ok, counter, 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 counter! Il m'a confusé, 800, wow! Je sais pas si je vais avoir mon Ah! Goal! Elle a perdu son confusion, c'est cool, ça a pas resté longtemps. Mais j'ai pas eu mon Ce qu'on va faire, on va focusser, on va attaquer, puis après ça, on va faire un Pirate Wrath. Avalancher. Fait quoi ça dans la vie? Ça fait mal à tout le monde. Ow! T'es en feu, Enrique? Deux critical sur ce boss-là. Un petit sacrum. Ah ouais. Ouais, un sacrum il va à peine. C'est quoi que j'ai là avec elle? Bon, on va faire ça puis on va faire ça. Death laser. Au moins, c'est pas pire. Le laser, il fait pas ce qu'il dit. Il m'a pas tué. Est-ce que la Royal Blade va finir le boss? Bam! 2000. Oh ouais. Easy.
Crystal Unbox. Bon. Je pense que j'ai pas tout pogné ici, là. Mais c'est pas plus grave que ça. Y a-t-il de quoi autour de ça? Y a un coffre, me semble. Ouais, là. Drette, là. Ah, ben, j'étais en train de me demander. Il me semble qu'il y avait un Moonberry ici. Ben, il était là. J'en ai-tu assez pour. Oh, j'en ai 4 là. Ah, la question qui tue. Je donne-tu Omega Cyclone? Ça vaut pas tant la peine. Je vais prendre ça parce que c'est ce qu'il y a de plus à but en fait. Le spell en fait que Fina a fait, ça coûte 16, mais t'as. Si t'es vraiment dans le pétrin, tu fais ça, puis elle heal tout le monde, elle résurrecte tout le monde. Bon, ok, fait qu'il y avait rien là. Fait que là, il me faudrait 4 autres Moonberry. Je pense pas que je vais en avoir 4 avant la fin du jeu. À moins d'être locker. Hein. Bon, on va aller pogner notre prochain cristal. Hein? Il est pas mort lui? Qui est là. C'est nous autres, capitaine! Elle est émotive, Aika. Elle aime ça sauter d'un bras du monde. Sa grosse baleine. Elle a pas l'air super en forme. Qu'est-ce qu'elle fait là, la baleine? Magané. Oh. Oh, le cristal. Eh ben, c'était la gigas du froid. On n'aura pas besoin de se battre contre elle, au moins. Presque triste tout ça.
moins, il n'est pas brisé. Bon, mais, hey! Deux cristals en deux épisodes, c'est pas pire, ça. Meilleure moyenne. Ça, tu vas pas venir nous voir à Lille? On a 4 cristals, gang. 4 cristals, il en manque 2. Les 3 premiers ont été lampognés. Le 4e, pas trop. Puis le 5e, je dirais qu'il s'en vient. Curieux pour le fun, et quelle heure? J'aurais quasiment le temps d'aller pogner le 5e, le 5e. Parce que c'est pas un gros donjon. Goodbye. Goodbye! Ok. On va aller au... Je vais aller au nord, right? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui me force dessus de même? Ah, bon. Ça a l'air qu'on va avoir un petit combat de bateau. You! Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas cute tout de suite? Ah, je peux avoir un Moonstone Canist. Université Apawax. Ah non, faut que je fasse un Link Cream. On va essayer de la tuer, mais souvent elle se pousse. Je l'ai vraiment pas vu sur mon angle, sinon je l'aurais peut-être évité. C'est un genre de... Ça, c'est le genre de boss qui est utile. Je pense que lui, il donne quand même une armure popée pour le bateau. Mais que j'aurais peut-être pu faire genre hors stream. Mais là, bon, on l'a pogné, on va le faire. C'est pas qu'il est bien dur, là. On sait pas c'est quoi le devant puis le derrière. Pas pire.
Bon, fait que Moonstone Cannon là. Je shoot une torpedo là. Puis on va essayer un Henshin Cannon, c'est bon, on va voir ce que ça va faire. Oh, quand même. Quasiment à tuer. Faudrait un autre shot de même. Torpedo. Puis là, c'est de savoir si mon Ancient Cannon va le pogner. Ça, c'est la question. J'ai une chance sur deux de le pogner. Mais je pense pas le tuer. Ok, on l'attaque, on l'attaque. Qu'est-ce que ça va faire? Ah, man, quasiment. Il est quasiment mort. Je sais pas si ça va se... Je sais qu'elle se pousse à un moment donné. Ça, ça coûte combien? 9? Il reste combien de... Fait que faut que je la tue ce tour aussi. Commande, commande. Ah, fuck, ça a passé à travers. Come on! Bam! Je l'ai eu. Yes! Ah, elle m'a même pas rien donné en plus. Ah! Ah, c'est poche ça, madame. Elle était supposée me dropper de quoi? Là, je suis rendu où? Ok. Bon, ben, on retourne à la maison. C'est un looper. Over there.
Je me souviens plus s'ils réapparaissent, ces monstres-là. Je pense pas. C'est pas bien grave. Je viens juste de penser que vu qu'on n'est plus dans le donjon de glace, on a pogné un ice splitter tantôt. On va y équiper. Puis on a pogné une frostblade pour lui. Là, je suis sur la white map. Sinon, ça va être long à revenir. Là. Voilà. Je vais juste voir. Ah, ça va être quasiment plus rapide de remonter par là. De même, avec la poussée de la... Wow, 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 je veux pas aller dans le tourbillon, hein? Pas nécessaire, là. Je vais aller à l'est. S, 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 S. Ça va vite quand on a le vent dans le dos. Okay, on est sur le bon chemin, on est sur le bon chemin. On passe à travers les roches. Vive la white map! Crescent Island en vue! Là, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé pour que le bateau il puisse avoir le même feature que les bateaux de Yafutoma. Fait qu'on va pouvoir monter en haut des nuages, puis il est en bas des nuages. Puis ça, ça fait que systématiquement, je vais peut-être réessayer de repogner ce poisson-là, peut-être. Je vais peut-être réussir à le pogner ce coup-là.
souviens plus. Il sort quelque part de particulier, mais je me souviens plus où. Ah, je fuckerai pas avec ça. Bon. Fait. Fait que là, je pense qu'il faut que j'aille au quartier général. Faut qu'on aille dans la salle de réunion, en gros. J'ai la misère avec le layout de cette place-là, c'est fou. Bon, ici. Piu 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 piu. Et voilà, là j'aime mon île, comment qu'elle est faite. Voilà, ça a tout été redessiné. C'est un petit peu plus beau. Bon, parfait, good. Là, on va aller dans la salle de réunion. Bon, ben, il nous reste le cristal jaune, puis le cristal argent. On va aller chercher celui du jaune qui est dans le. Celui de Valua, comme en dessous. Bon, merci pour le heal. Et ici, je pourrais même faire mettre une fontaine si je veux. J'ai pas sauvé moi en finissant le boss tantôt. On va faire ça. J'irai pas faire tout de suite le cristal jaune finalement, je crois. Parce que sinon, je vais finir. Malgré que je pourrais continuer un petit peu. Puis le faire à soir. Ça serait débarrassé. Puis après ça, il me reste une coupe de donjons, puis je vais peut-être pouvoir finir ça à Noël. Ben, pas à Noël, mais dans mon stream que je vais faire un peu plus long dans le temps des fêtes. Qui sera. Il va être un petit peu plus long, mais je pourrais pas le faire dans la journée comme j'aurais voulu, là. Mais parce que finalement, ma blonde a travail, fait que je vais m'occuper du petit. Fait que là, ce qui est magique, là, c'est qu'on peut descendre en dessous des nuages, puis que dès qu'on est en dessous des nuages, il n'y a plus de random encounter. Bon. Fait que là, il faut aller genre dans ce coin-là. La map. Bon, nord-est. Nord-ouest, ouais, c'est ça. On va passer par en dessous. Ça, c'est un donjon que j'ai toujours de la misère à trouver, par exemple.
Là, je suis où? Je pense qu'il faut que j'aille encore un peu plus nord-ouest. On va essayer de le trouver. C'est comme un... Comment je peux dire ça? Comme un ramasse pilier là. J'aille plus au nord. Peut-être que j'aille plus au nord. Ah, oh, je suis même plus en dessous là de la roche. Ok. Fait que ça doit être en dessous de ça d'abord. Ouais, ça doit être là. Il se pose à avoir une discovery ici en dessous aussi, c'est la des petites lumières qui tournent. Mais là je les vois pas. Ah, ce donjon là. Il est où? Oh, attends une minute, j'ai vu de quoi là? Non. Là, je suis où comme ça à map là? Je suis encore dans Valouin. Valua. Ouais. On va aller à l'ouest un peu là. Ça me dit qu'il est là, puis je suis proche, mais. Et où l'entrée? C'est... That's the question. Where is the entrance? Tu vois pas grand chose en plus. Ok, on va essayer d'aller un peu plus au nord-est. Peut-être de quoi ici? J'ai-tu savé moi? Je veux juste être sûr que j'ai savé. Niveau 37, ouais. Proche là, me semble. C'est où déjà?
J'ai beau avoir fait ce jeu-là, je sais pas combien de fois. Mais ce donjon-là, toujours de la misère à le trouver. Je l'avais cherché la première fois, là. Parce que dans le temps-là, j'utilisais... Ben, je pense que j'avais même été sur Internet. Mais YouTube n'était pas aussi populaire dans ce temps-là, fait que... Moi, c'est-à-dire, j'aime bien ça, des fois... quand je cherche de quoi de précis, je vais me pogner une vidéo d'un dude qui le fait sur YouTube, puis... je check comment, là, mais... Parce que des fois, t'as beau lire une soluce, mais... Un walkthrough, puis... Ouais, wow, là, ça tourne à rien, mon affaire. Hey, où l'entrée? Pis c'est bizarre, d'habitude, je trouve toujours une genre de discovery ici, puis là, je la trouve pas. Je suis en train de me demander si c'est à la bonne route. On va aller plus au sud. Peut-être de pogner de quoi m'emmener, hein? Bon. Là, c'est quoi, là? Je suis pogné dans quoi, là? Je peux pas lever, là? Non? Je peux-tu lever ici? Non plus. Ah, ok. Je vais juste checker quelque chose. Parce que je pense que ce qu'on va faire... ouais. Je vais finir le stream ici. Puis ce qu'on va faire, c'est que la semaine prochaine, quand je vais recommencer... je vais recommencer juste à côté du donjon ici. Puis... on va aller continuer ça. J'aurais aimé ça le faire à soir, mais... si je l'aurais trouvé tout de suite, puis j'aurais pas pogné l'encounter avec le... la grosse bébite tantôt, puis pas avoir cherché, je pense que j'aurais le temps de le faire. Le donjon, il est pas si long que ça. T'as un boss à buter, puis t'as le 5e cristal. Bon, on va sauver ça, puis la semaine prochaine, on continue ça. Après moi, il va nous rester à peu près 3 streams après, max. Ou un... ouais, 2. 1, 2. D'après moi, 3... il nous reste 3 streams d'après moi, puis on finit ça, ce jeu-là. Si tout va bien, là, puis... les side quests, il reste certains boss à faire, mais optionnel. Je suis rendu là, je pense que je vais les faire hors stream, ou je les ferai pas pantout, là, dépendant du temps que j'ai. Fait que merci tout le monde d'être passé, merci à Dan d'avoir passé, merci à Prescott qui est passé aussi. Hein, on va mettre cette petite chose-là ici. Merci à Prescott qui est passé. Puis à tous les autres qui étaient sur le chat qui n'ont pas nécessairement jasé. Toujours le fun quand même vous avoir. Ben moi c'est Yann. Puis nous autres, ben on est niveau suivant. Ben, ça me fait plaisir. Good, good. Fait que nous, on est niveau suivant. Niveau suivant, c'est quoi? C'est un marathon annuel de jeux vidéo qui ramasse des fonds pour des organismes de bienfaisance du Québec. Si vous voulez voir, notre dernier marathon a eu lieu en octobre dernier. Donc, vous pouvez avoir le tout sur notre chaîne YouTube. C'est toujours le fun de t'écouter en background. Ouais, merci, Dan, merci. Fait que vous pouvez tout voir ça sur YouTube en presque intégralité. Il manque quelques petits segments qu'on n'a pas pu mettre dessus. Sinon,
Niveau suivant, qu'est-ce qu'on va faire à Noël? À Noël, on va faire un stream des fêtes. Fait qu'une bonne partie de l'équipe va faire chacun un peu son stream. Un peu comme on fait dans la semaine, mais il va y avoir plus de contenu que d'habitude. Je sais que Prescott, je pense qu'il est supposé faire une grosse journée là, le 29. Le 29? Non, c'est Dan qui va faire le 29, je pense, si je me trompe pas, parce que vu que tu vas streamer le 31 pas mal, tu fais le 29. Sinon, Prescott, tu vas probablement être le mercredi. Moi, je vais être le lundi, comme d'habitude. On devrait avoir un stream un petit peu plus long. Probablement, ce que je vais faire, c'est que je vais étendre le stream. Je vais commencer à la même heure que d'habitude, puis je vais probablement étendre ça jusqu'à 10h30, 11h, là. Pour avancer le plus possible dans ce jeu-là, puis peut-être même le finir, puis commencer l'année avec quelque chose de nouveau, ou juste prendre un petit break là, le temps de choisir mon nouveau jeu. J'ai déjà deux idées, donc ça s'en vient. Puis ben, le 31, niveau suivant, on va faire un gros stream pour dire bye-bye à la merveilleuse année 2020 qu'on a eue. Je me demande si vous sentez le sarcasme dans ma voix. Mais on va avoir bien du Là, faut fun. que tu le finisses. Ouais, c'est ça. Puis là, je viens de dire que je vais le finir. Fait que je Chronomakers. pense qu'on va se coucher tard. Sinon, je vais être déçu. Good. Fait que on finit ça le 28, ce jeu-là. Quitte à se coucher à minuit, minuit et demi peut-être. On va finir ça le 28. Puis c'est ça le 31. Fait que manquez pas ça. On a fait un pool que vous pouvez aller voter sur Facebook avec les jeux que vous avez aimés de 2020. Fait que les jeux qui vont avoir eu le plus de votes, ben, vont apparaître sur le stream du 31. Donc c'est à ne pas manquer. Puis sinon, ben, ça continue. Sinon, nos streams habituels, Prescott devrait être là demain. Toi, Dan, tu commences-tu Chrono Cross mercredi cette semaine? Parce que je sais que tu étais supposé commencer ça. Chronomakers. Ciao, mon Yann. Ciao, 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 ciao! Puis sinon, c'est ça, jeudi, on a Mad qui va probablement être là aussi. Puis il y a la game de Donjons et Dragons le dimanche qui va jouer. Chronomakers. Oui, ce mercredi. Good, good, good. Fait que Chrono Cross avec Dan pour mercredi. Fait que c'est pas mal ça. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao!